Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, avec un crayon de couleur, j'ai réussi à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu : « Pourquoi un chapeau ferait-il ?»
Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre, « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux. Et un éléphant, très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement et puis, « Non, celui-là est très malade. Fais-en un autre. » Je dessinais. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un pays. Aussi, tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, il ne peut pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit, après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour, et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher?
dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920, dans un habit très élégant, et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde P612, et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elle ne vous dit jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, qu'est-ce qu'il collectionne, est-ce qu'il collectionne les papillons. Elle vous demande quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors seulement elle croit le connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Et alors elle s'écrie, comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites, la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait, et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites, la planète d'où il venait est l'astéroïde P612, alors elles seront sont comme ça, il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous, qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire, il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui